I'll be right behind you, Josephine. I will leave you in between. And the cigarette you thumb for me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. Les tiers-lieux, depuis peu, mais les personnes que l'on accueille ici apprécient beaucoup de participer financièrement. Alors les repas que l'on compose, généralement, n'excèdent pas 2 euros par personne hein, pour le plat, le plat, le dessert. Et ce principe donc de faire la cuisine tous ensemble, donc à la fois de mélanger, d'apprendre à cuisiner. Pour moi, je suis quelqu'un qui est pas. Je n'ai pas d'odorat, la cuisine c'est pas mon truc, mais pour moi, justement, je vois ça au-delà de la cuisine. Pour moi, c'est un prétexte pour réunir les gens. Parce que toujours préparer des aliments, partager, manger ensemble, c'est très pédagogique. Ah. Mes enfants sont allés dans des écoles Montessori. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est utiliser la vie pratique pour apprendre. Alors, pardon, vous voyez, on essaye de mettre un peu des règles à des gens qui, peut-être, ont perdu un peu la sociabilité, qui vivent seuls. Alors, le fait d'arriver à une certaine heure, d'avoir des tâches, d'apprendre à se supporter... D'avoir à table, d'attendre que tout le monde soit servi, de mettre le couvert. Il y a plein de choses qu'on apprend, ou on réapprend. Oui, c'est réapprendre un peu la vie oui. En groupe, finalement. Et puis, on a réussi, moi, je pense, à faire une espèce de famille. C'est la sensation que ça m'a donnée la semaine dernière, ça faisait un peu cercle d'amis. Ah, enfin, pour moi, c'est merveilleux, hein, vraiment. Et j'ai fait... Je n'ai pu faire jusqu'à maintenant qu'une formation du Secours catholique. Et justement, nous demander de passer, de mettre des mots sur le tableau. Ce à quoi ça nous faisait penser, parce que chaque atelier est différent, vraiment. Et moi, j'ai mis famille. Et la personne qui animait, elle m'a dit, mais pourquoi famille? C'est pas une famille. J'ai dit, si, pour moi, c'est ça, une famille. Des gens qui s'aident, qui partagent. Et il y a des moments... Monsieur qui est assez réservé, quand il y a une famille qui vient avec ses enfants, il porte les enfants, enfin pour moi c'est ça. Et entre eux, les accueillis commencent à s'aider, à s'appeler. J'ai l'impression que ça crée de l'entraide aussi, une certaine solidarité. De mon point de vue, c'est vraiment la réussite. Hein. Qu'on leur a fait comprendre qu'eux aussi ils peuvent donner, eux aussi ils peuvent créer des liens entre eux. Et pas tout attendre de nous. C'est ça aussi. Ouais. Eh oui, une famille, il faut de la tolérance, il faut du respect, il faut... Ouais. On apprend beaucoup. Ça semble un peu un prétexte final à la rencontre des gens. Ouais. Moi, c'est pas vraiment ce que je viens rechercher. C'est plutôt de l'écoute. Bon, j'aime bien. Là, j'ai fait le dessert avec Diane. Bon, j'ai passé un bon moment. Parce que c'est quand même un moment de partage. On fait quelque chose ensemble. On crée quelque chose ensemble qui va être partagé avec les autres après. Donc, il y a quand même un lien. Il y a des liens qui se tissent, quoi. Ça, c'est indéniable. Si on vient ici au Secours catholique, enfin, moi je le ressens comme ça. Si j'avais pas ces liens qui s'étaient créés avec diverses personnes, bon, on n'est pas obligé d'être toujours sur la même longueur d'onde, mais on a nos différences, c'est justement là, il faut accepter ces différences, sa façon de voir, ses religions. Moi je crois que c'est bien parce que le Secours catholique peut être ouvert à tout le monde.
Et bon, des fois, c'est moi, je vous avoue que des fois, j'ai pas envie de venir, vous voyez. Puis je me dis, allez, fais l'effort, lève-toi, habille-toi, lave-toi, sois digne, reste debout. Parce que, avec ce qui m'est arrivé, des fois c'est dur, vous savez. J'ai encore du chagrin, beaucoup de chagrin. Et je me dis, allez, vas-y, j'en ressors, comment je vais dire, avec de la joie. Ils m'ont apporté une bonne journée, ils m'ont redonné de l'espoir. Et vous leur en avez donné aussi? Ben j'espère. Vous en apportez aussi beaucoup. Je sais pas. J'espère que je rapporte quelque chose. J'ai l'impression que ça marche énormément dans les deux sens. Oui, mais je crois que il faut savoir donner pour recevoir et vice versa, quoi. Faut savoir recevoir, mais faut savoir donner aussi. Mmh. Et plus on donne, je crois, et plus on reçoit. Au Secours catholique, moi, ce que j'ai trouvé, c'est cette ambiance où chacun va vers l'autre, où chacun essaye de penser à l'autre avant de penser à soi-même, et ça permet aussi en même temps d'oublier ses propres problèmes. Voilà. Loisir, parce que toujours dans la même opposition des gens, quel qu'il soit, on a besoin aussi de détente, on a besoin de s'évader dans la nature, qu'elle soit la mer, qu'elle soit la montagne, et de créer des petits groupes qui soient capables d'amener les autres où ils ne sont jamais allés. Parfois, il faut arriver à se poser et à se retrouver seul, justement, pour mieux aller vers les autres, pour pouvoir mieux donner. Même avec des conditions modestes, eh bien, chacun et toute personne a des talents. Toute personne est capable de faire quelque chose, et ce qui les amène donc à être reconnus par les autres, être valorisés et se tenir debout. Ils m'ont protégé, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore, ils m'ont tellement donné que si je ne les avais pas eus, et bien, pour ça, le Secours catholique compte beaucoup pour moi. Moi aussi, j'ai reçu quelque chose, je donne quelque chose, mais aussi je reçois beaucoup. Beaucoup de choses qui se passent ici. Ah oui, c'est extraordinaire. Beaucoup de choses, oui. Josephine. Ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17.